c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur préparation d'un casque. Qui dit préparation d'un casque dit bière anglaise, dit bière anglaise dit brown ale parce que j'adore les brown ale. Qui dit casque dit party, dit déconfinement depuis hier, dit beau temps, bord de l'eau, piscine et bateau, si doux. Si tu veux qu'on le casse, dis-moi dans le commentaire. Alors aujourd'hui, je décide de vous faire une petite brown ale. La recette est disponible sur le site du brasseur, vous pouvez l'acheter. Je donne pas la recette aujourd'hui, j'ai décidé que ça me tentait pas aujourd'hui. Fait que si vous voulez la brasser avec moi, juste la commander et ça va me faire un grand plaisir de vous l'envoyer. Par contre, vous allez avoir toutes les étapes pour faire cette bière-là. Alors première chose, c'est qu'on va mettre notre eau dans notre grandfather. Elle va être aussi disponible dans l'application de Grandfather si jamais tu veux suivre les étapes automatiquement et que tu as un Grandfather toi aussi, tu vas pouvoir la faire. Alors notre mélange de grains est déjà moulu, on va le mettre dans notre eau et on va brasser en même temps. Ça sent tellement bon pour les brown ale. Ça sent comme le biscuit. Et moi j'aime ça les biscuits. Fait qu'on met notre grain. On y va tout le temps tranquillement, pas faire de mouton. Ou on y va d'une shot puis on casse les moutons après. C'est comme vous décidez. Alors, petite brown ale qu'on va faire pour justement le beau temps, pour faire un casque. Elle va être prête dans 5 semaines. Fait que dans 5 semaines, ça va nous retrouver pas loin de la Saint-Jean-Baptiste. Et si tu connais pas la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête la plus fêtée au Québec, si tu veux. C'est la fête des Québécois. Il y a souvent des événements, des petits spectacles à travers le Québec au complet. Et c'est vraiment cool pour la musique québécoise et tout. C'est une belle place de se rencontrer. Quand on est plus jeune, c'est une bonne occasion de se saouler la gueule entre amis et de foutre le trouble, le bordel, jusqu'à 3-4 heures du matin, jusqu'à temps que la police vienne nous enlever des parcs. Eh oui, on a déjà fait ça, qu'est-ce que tu veux. Heureusement, on a vieilli, tu sais. Peut-être pas tout le monde, mais bon, oui. Fait que, belle petite brown ale aujourd'hui. Je sais pas si t'as remarqué au début de la vidéo, mais quand j'ai installé la cascade du faux fond, il était vraiment lousse. Ça sent froid et il reprend ses formes. C'est un peu comme quand toi, petit garçon, tu vas dans l'eau froide. Hein? Tu me suis? C'est ça. Ah, c'est la même chose avec ça. On enlève le Grand Supper. On met notre overflow. Pas oublier de mettre notre couvercle. On lui met notre petit bras de rinçage. Et on va lui dire qu'on a présentement 1000 grains. Alors il va commencer à recirculer. On le fait un petit mash de 30 minutes seulement. Pourquoi? Pour avoir le plus de sucre résiduel possible. Et on va vérifier la température de notre eau chaude. Si t'as pas vu mon dernier vidéo sur le bière électrique, c'est ma nouvelle petite bérelle que je me suis pris. On va vérifier qu'elle soit à quelle température, mon ami. On peut augmenter un petit peu la température. Oui, je le sais que c'est plate, que lui n'a pas de contrôle de température, mais on va faire un petit hack éventuellement pour pouvoir vous le montrer. Alors, on laisse recirculer un petit peu. On laisse ça chauffer le temps que ça arrive à 80 degrés C. C'est juste un thermomètre pour le monde qui se demandait c'est quoi que je bloque mon trou avec. C'est un thermomètre qui n'est pas très très précis. Alors j'aime mieux utiliser mon thermomètre électronique. Mais ça donne quand même une petite idée de la lecture. Ça. Et ça ici, ça recircule super bien. Même, je te dirais qu'on va réduire le débit un petit peu. On va faire le test diode dans pas long pour vérifier si la transformation en azimuthale est finie. Il n'est pas encore midi, fait que je vais rester sur mon bubblé. Au pétillant, à la ronde, vraiment bon. Pendant ce temps, au brasseur.
On va nettoyer notre casque pour être sûr qu'il soit bien propre et prêt. Je le sais, on n'a pas besoin de nettoyer tout de suite. Mais si je veux pas qu'il arrive la même affaire qui arrive tout le temps à Kev, ça explose partout et tout, j'aime mieux avoir mes choses très propres d'avance et on va le nettoyer aussi par la suite. On l'a nettoyé une fois, là on va le nettoyer une deuxième fois et après ça on va le nettoyer une troisième fois, juste avant de mettre notre bière en keg. C'est sûr qu'il nous reste à fermenter avant et tout, mais j'aime mieux pas prendre de chance. Alors, il nous reste juste à attendre que tout soit bien propre, tout soit bien stérile. Bon, petit test diode, encore une fois. Très belle couleur, très belle odeur. Et on peut voir, la transformation est vraiment pas finie. Alors, on va la laisser encore un petit peu plus longtemps. C'est exactement pour ça qu'il faut prendre nos tests d'enzymes pour vérifier que ça fonctionne. Et là, on l'a vu, c'est pas prêt. Fait qu'on va le laisser rouler encore un petit peu. On va attendre un petit 5-6 minutes encore. Et après ça, on va pouvoir reprendre le test enzymatique. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Rendu à l'étape de... Mais oui, du rinçage, toi! Si tu veux pas le perdre, t'es mieux de l'enlever. Si tu veux pas le perdre, t'es mieux de l'enlever aussi. Alors, un petit 13 points... quelque chose de litre à rincer. Et notre eau est en train de chauffer aussi. On utilise notre eau de... Comme ça, vous voyez les deux équipements qu'on va utiliser pour faire notre rinçage. Et notre casque en beau derrière-plan. Mets nos gants pour voir la température parce que c'est sûr que c'est chaud. Notre eau est rendue à bonne température, fait on utilise une tasse à mesurer. La tasse à mesurer, notre robinet, on va simplement le remplir et asperger nos grains tranquillement, passionnément, et donner tout l'amour qu'on peut leur donner. C'est comme ça, mon ami, tu vas réussir à faire une bonne bière. On en met partout et on continue le principe jusqu'à temps qu'on a fini notre ébullition. J'ai dit notre ébullition, là, mais c'est notre rinçage, hein, on a compris, oui. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus fun? C'est quand tu sais comment tu vas boire cette bière-là, un coup qu'elle va être faite, c'est là que c'est vraiment plaisant à faire de la bière. Tu sais que ça va bien sortir, tu sais que ça va être une très bonne bière, elle va être dans le style, puis en plus de ça, on va la boire avec des magnifiques amis. Qu'on a tout le temps du fun quand on est chez eux. Et peut-être, je dis là peut-être, qu'on pourrait peut-être faire une bière aussi chez eux, sur le bord de l'eau, refroidir avec l'eau du Richelieu, notre bière, avec des pompes. C'est pas fait les amis. Mais, ça va dépendre de mon rond-fil.
Alors Dan, si tu m'écoutes, tu me le dis en commentaire, hein? On boit, on s'amuse, on fait des vlogs, on fait de la bière, on fait tout ça en même temps. À toi de décider, on va boire chez toi la bière. On finit le rinçage, puis après ça on va mettre le tout à l'ébullition. Et toi mon ami qui m'écoute, on sparge à 80 degrés C, on fait l'aspersion des grains, et on fait l'ébullition durant une heure. Je répète, on fait l'ébullition durant une heure. L'ébullition, c'est à 100 degrés Celsius. Du ça comme ça. La partie qu'on vient de faire, c'est écumer. Vous avez vu, toutes les protéines sont en suspension. Et on va en plus écumer encore juste avant la teinte de boy. Ça va vraiment aider à ôter et avoir une bière plus claire, avoir moins gros de dépôt. On a nettoyé les fermenteurs pendant le temps qu'on attendait pour commencer notre ébullition. Et on a recirculé. Pourquoi recirculer? Parce que l'élément est en bas. Fait que je trouve que ça va beaucoup mieux, c'est plus homogène quand on recircule. On n'atteint pas notre 100 degrés, puis après ça, qui dit « Ah, en fin de compte, on n'est pas tout à fait à 100. » Fait qu'en recirculant tout le long, ben on est sûr et certain que quand on arrive à notre proche de notre 100, ben on est vraiment là. Petit houblon d'amertume, petit houblon de 5-10 minutes juste pour le petit goût à la fin pour balancer les sucres qu'on va y avoir. On rajoute notre houblon. Puis, on se revoit pour la mise en fermentation. Et après ça, la mise en keg dans un prochain vidéo ou la mise en casque dans un prochain vidéo. Ah oui, il y a une autre chose aussi, quand ça commence à faire l'ébullition, on enlève notre couvercle. Hein? Sinon, un, ça va faire des dégâts, puis deux, toute la cochonnerie va retomber dedans, puis ça, on veut pas ça. Je conseille les mots. On ferme. Wouhou, c'est le temps de mettre des houblons! Okidoki! Et c'est parti pour une heure. On enlève le couvert et on attend une heure. Il va rester un petit houblon à la dernière minute pour le goût, mais on attend une heure avant la fin. Première chose à faire, c'est stériliser nos deux passoires. Une fois les passoires sont stériles, on a juste à prendre notre petit tuyau et le mettre dans notre fermenteur. Les passoires vont servir essentiellement à ramasser les cochonneries qui pourraient y rester et aussi aider à oxygérer votre mou. On stérilise petite levure English Elder avec nos mains et on la. Moi j'aime bien les mettre tout de suite. Tout à fait facile, tu sais. La température idéale de cette levure-là, c'est entre 18 et 24 degrés. Fait qu'on va la mettre à 20 degrés, 20 piles, avec notre glycol pack qu'on a juste là, comme vous voyez, on la rend même pas à télé. Mais on en a un, fait qu'on va l'utiliser. On finit de transférer, on lave notre équipement, on met ça en fermentation. Deux semaines après, on envoie ça dans notre petit casque. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir en partageant grand nombre. N'oublie pas de t'abonner, la petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Si t'as besoin, tu peux me poser des questions dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo, fais le pouce. Ciao tout le monde.